un passe-passe pour Avatar Flight of Passage. Donc j'ai eu ce passe-passe-là dernière minute quand je faisais la file pour Winnie the Pooh. Comment j'ai fait pour avoir ce passe-passe-là? C'est que j'ai gossé pendant je sais pas combien de temps à changer les heures sur l'application. Puis j'ai tombé sur un passe-passe d'Avatar. Alors je l'ai réservé évidemment parce qu'on aime bien ça. Fait que là j'ai à peu près 20 minutes pour aller faire mon passe-passe. J'arrive dans 10 minutes, je suis là. Fait que je vais avoir complété les 4 parts à la journée. Puis tantôt, je vais peut-être aller souper à Disney Springs. Je vais voir ce que je fais. Decon. Initiating GMR decon. Stand still over your number. You're not gonna feel a thing. You're doing great. You're all clear. Great. Now let's go over how all this works. Like I said before, you're going to be matched to these things called avatars, which look a lot like the Na'vi. Send you to the link chamber. Let's watch this piece by Dr. Ogden, who runs the program. Welcome, everyone. I'm Dr. Jackie Ogden from the Pandora Conservation Initiative. You're about to experience a ceremony that's very special to the Na'vi, flying on the back of an Ikran, or as we call it, a Banshee. To the Na'vi, connecting to an Ikran and flying on its back is an incredibly important rite of passage they call Ikni Maya. With permission from the Na'vi and in partnership with Alpha Centauri Expeditions, we can now bring this amazing experience to you. The way you'll be able to fly is by linking to an avatar that's already on the back of an Ikran. Let's see how this works. We establish a link using powerful psionic amplification equipment. A human driver is connected to an avatar, which could be physically hundreds of kilometers away. When you follow our technician into the link chamber, you'll see a series of 16 link chairs. Please go to the number that matches the number you're standing on now. Kingdom. Après Avatar, on a fait le safari. Ça faisait 35 minutes d'attente. Finalement, on a attendu 20 minutes et c'était super bien. Puis là, ben, on s'en va à Disney Springs. Si vous prenez l'autobus vers Disney Springs à partir des parcs thématiques, les autobus sont seulement à partir de 4 heures de l'après-midi. Sinon, si vous allez à Disney Springs, il faut aller à un hôtel pour transférer à Disney Springs si jamais vous voulez y aller avant 4 heures. Puis si vous restez dans un hôtel à Disney, ben, il y a des autobus à partir de 9h, 10h, je suis pas trop certaine, qui vont jusqu'à Disney Springs, mais certains qu'à partir de 11h,
et les bus jusqu'à Disney Springs parce que ça rouvre à 11h, le shopping center. Bon, il est 8h22, je suis revenue à l'hôtel, j'ai pris ma douche, je me prépare pour demain. Je suis pas trop certaine qu'est-ce que je vais faire demain parce que il annonce la pluie, mais je sais qu'il y a des heures extra magiques à Animal Kingdom demain matin, fait qu'il va sûrement pas avoir tant de monde que ça parce qu'il annonce la pluie, fait que je vais voir, ça dépend à quelle heure je me lève. Puis j'ai pas vraiment de plan pour la journée, j'ai pas de réservation de resto. Fait que c'est vraiment, on va y aller avec le feeling, un peu comme aujourd'hui. J'avais un peu de planification, je savais ce que je faisais le matin, mais le reste de la journée c'était vraiment imprévu. Fait que, ouais, j'ai visité les 4 parcs thématiques aujourd'hui. Je suis allée à Disney Springs, donc le district de magasinage qui s'appelait Downtown Disney avant. Puis ça a été quand même une journée intense, là, 22 000 pas, je sens plus vraiment mes jambes, mais ça vaut vraiment la peine. Fait que on va se revoir la semaine prochaine à dimanche 4h pour un autre épisode de mon voyage.